Salut à tous, c'est Damzou sur Europa Universalis 4 avec Killua. Petite guerre africaine relativement simple, on va pas se mentir. Parfait, parce que du coup, va falloir aller lutter là-bas. Il leur reste combien? Ils en ont. Du coup, ils ont encore 6000 hommes dans le nord. On va se repositionner sur Ndongué. Ndongué. Je m'occupe, j'envoie mon armée pour t'aider. Ah, du coup, avec les 2000 qui sont présents là-bas, va falloir que je trouve un moyen d'y accéder. Parce que vassaliser là, ça me permettrait certainement de remonter ailleurs. Du légalisme, c'est parfait. Et du coup, les masques qui doivent déborder. 31, et c'est le seul truc que je peux me payer d'intéressant. Parfait, Sofala. C'est du bon boulot. Donc, il n'y a pas moyen de débarquer là-bas. En fait, ce qu'il me faut, c'est vraiment un conquistador pour pouvoir faire ça. Alors, toi, du coup, est-ce que ça t'aurais envie de sortir sur paix blanche, quoi? Non. Tu vas me forcer à recruter un conquistador. Allez. Est-ce qu'on va éviter la prochaine phase de siège? Ouh, il y a quand même du monde là. Ils sont juste 3000 là, donc mettez-vous là. Je vais vous envoyer eux en renfort. Je pense que je vais être obligé de m'acheter un conquistador. Donc vous allez vous mettre à Tirs. Ça c'est encore du légalisme, du coup on est remonté en légalisme là. On en est à 58. Oh, hop 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 hop. Ah et voilà. Le moindre message où je suis pas alerté et j'offre 4000 hommes à des rebelles. Et j'ai perdu 60% de mon armée, je dirais. Alors moins de 50, ça va. Mec, vous savez que je suis occupé là, dans une guerre, et vous mettez des rebelles en carton. Allez, on est reparti. Continue de gérer, tu vas voir, tu vas bientôt réussir. Ah, Warsong Gali. Du coup, vous avez repris du poil de la bête, mais méchamment même. L'armée de Sofala, est-ce qu'elle va repartir faire du dégât ou pas? Ah, la Castille est déjà là. Et là, c'est le Congo qui subit une guerre. Ok. Tu poursuis. Sofala, j'aimerais que tu reprennes les choses en main. À mon avis, tu vas aller au bout. Toi, si j'aurais... Si tu pouvais sortir tout seul, ça m'arrangerait, j'aurais pas à te courir après. On va améliorer les capacités de siège. Donc je vais enlever ces 3000 là. Et vous, vous partez à Matsolo. Ah là, parfait, allez, va bosser un peu, ça te fera du bien. Feignant quoi. 42.
cog en plus, ça fera pas de mal. Du coup, j'ai 500 en liquide. Ça va peut-être être le moment d'investir un tout petit peu plus. 7, 8. Il reste... Après, on est à 6. Là, pareil, il y a beaucoup de 6. Allez, prendre ces 3 là. Voilà, leur armée a été interceptée une nouvelle fois. Parce que je comprends, c'est que eux, comme ils réussissent à venir chez nous, et nous, on réussit pas à aller chez eux. Bon, je vais faire confiance à Sofala. L'Ethiopie qui est en banqueroute. Ah, c'est pas. Bah oui, bah, l'Ethiopie n'existe plus. Conclusion, notre adversaire, ça va être Warsongali. Ok, tu me prends un conquistador. Et voilà, on y va. On a l'objectif en vue. On est parti. C'est un investissement qui aura quand même un sacré coût. Espérons que ça en vaut la, que ça en vaut la chandelle. Ah, tu ressors juste à côté, toi. En gauche, non, on va pas développer en gauche. Nouvelle exploration. L'océan Indien, après on partira faire la mer de Chine. Aïe 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 aïe, la Castille qui se rapproche. Hein. À mon avis, je l'aurais pas de vitesse, c'est sûr. Ah, j'ai épuisé mes réserves. Toi, t'as géré tes rebelles, c'est déjà ça. J'ai plus à m'en occuper. Il me semble que je voulais encore en payer un ici, voilà. On va en profiter. Donc, au vu du territoire, je pense que c'est lui qu'il faut vassaliser, que c'est plus intéressant. À 3 et quelques, et puis ils veulent signer la paix. Ah! Donc Bouillot a son armée ici. Je voulais pas, parce que je voulais prendre, non, je vais pas prendre cette technologie là. Par contre, je vais attendre la paix pour signer. Tranquille. Voilà, le général est mort, donc l'investissement a été correct. Ça, je vais plus le prendre. Je réfléchis. Et du 19, c'est du 2 ans. Et c'est une bonne intervention sur les prix et progrès de la classe marchande. Les marchands sont à 34%. Si je prends ça maintenant. Dans 2 ans, ils sont censés perdre 20. Si je prends ça maintenant, ils ont 70 mois, c'est pas 2 ans, c'est large. Hop. Ensuite, est-ce que je prends les 150 points ou est-ce que je prends l'argent? On prend les points. Ça, on pourra peut-être les récupérer d'ici là. Les oulémas, toujours intéressant. Puis vous, ben non, vous j'ai arrêté de vous piquer des choses. Donc, on va sortir bientôt enfin cela. Ouh, le Congo, il vient de manger méchamment son voisin. Parfait, donc toi, tu vas simplement sortir de la guerre. Parce que j'ai un peu autre chose à foutre. Tu vas me donner tes réparations, détournement du commerce, tu veux pas me le... C'est quoi la différence?
Ah ouais, c'est rien, c'est une nouveauté, je connaissais pas ça. 140 ducats. Et ça fait qu'il reste combien? 18. Non, tu veux pas signer ça, c'est pas grave. Voilà, vous rentrez à la maison. Alors l'idée... Ensuite, toi, je vais faire clairement te demander une vassalisation. Ah, c'est trop beau! Il y a peut-être un pays caché en dessous qui compte déjà. Je peux peut-être essayer de créer qui compte déjà. Bon, ça déjà, ça va pour Sofala. Sofala, moi je prends les deux autres. Tac, tac, tac. C'est vrai qu'il nous reste 46. Si je peux faire ça, c'est pas intéressant. Ah non, 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 je peux vraiment rien faire d'intéressant. C'est dommage. C'est l'offre. Donc on va négocier que avec Kazembe. On va leur piquer ça, à mon avis ça va pas être grand chose. Et ensuite, on va s'annexer tout ce qu'on peut. Ouais, j'aurais vraiment cru que je pouvais faire un meilleur coup que ça. Les 18 pour quelle province? Ah oui, parce que c'est moi qui ai pas de revendication et c'est moi qui paye. Bah évidemment, hein. J'ai bon dos, hein. Je peux vous dire que j'ai bon dos. Encore. Bah, du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Spécialement gênant que j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Là, je peux arrêter pour le moment. Le 6, je vais le prendre. Les 6, je vais les prendre. L'idée, ça va être de se concentrer sur lui ou pas. Ah oui, t'as, franchement, t'es on fire. Je pourrais attaquer Mara. Non. On va attendre qu'il se passe quelque chose. Les émirs qui veulent des territoires, c'était évident. Il n'y a rien. Là, je vais attendre pour la contribution. En attendant, on va trouver une petite province pas très élevée. 3. Normalement, ça devrait suffire aux émirs. Voilà, ça suffit aux émirs. Le légalisme, putain, mais ça m'énerve. On est qu'à 70, c'est gênant. Les oulémas, ils ont une super loyauté, mais on peut rien faire de leur loyauté à chaque fois. Ah, du coup, on va commencer à payer ça. Donc je suis quand même en train de m'établir un sacré empire ici, mais ça fait pas grand chose hélas. Toi. Je pense que le mieux que j'ai à faire, c'est quand même de tenter de m'allier avec toi. T'es le seul qui puisse m'aider. On va vous mettre à l'entraînement. J'ai un trou de 1000 et quelques hommes, c'est pas grand chose. On va baisser les impôts, on va s'en remettre. Quelle guerre pourrait embêter Warsangali maintenant? Faudrait... Prendre ça. Allez, je prends ça là, 18% de retard, c'est déjà énorme.
Donc ce qu'il me faudrait, c'est la prochaine offensive Mamelouk, enfin ottomane, sur les Mamelouks. Qui devrait me mettre bien. Parce que du coup, le Yémen irait les aider. Économiquement, est-ce que réellement ce que je viens de faire, ça me rapporte? Ah oui, c'est une catastrophe. Hein. C'était vraiment pas la guerre de l'année. Hein. Du coup, vous êtes en train de te faire assassiner par le Rwanda. Ah, je pourrais faire la colonie australienne. Il y a de l'idée dans la colonie australienne. C'est quoi l'armée de Was? Non, franchement, je vais pas partir contre Warsongali avec 15 000 hommes et un déficit de psychopathes. Hein. Et ils ont plus que 7 000 hommes. Par contre, ils me font venir qui? Le Yémen. Yémen. Pouah, 26 000 hommes le Yémen, mais vous avez combien de développement? Vous avez 124? Alors vous, par contre, je confirme que j'ai le double de votre développement. La Nubie est en train d'affronter qui? Ah, parfait. Hop là, on est rivaux maintenant tous les deux. Je t'impose un embargo. Et en plus, je vais même t'insulter. 23. Oh là, attendez, c'est quoi ce problème? 23. Et c'est en 19 qu'il y a des pertes. Ouais, je pense que je vais cliquer ça. Prochainement, je vais cliquer. Voilà, on a 20. Ah, il y a une guerre. Ottomane a attaqué de l'hérégie à Mushayamashamaya. Ça doit être un pays pourri par là-haut. Kazembe, ils détournent leur commerce chez moi. Mais est-ce que c'est réellement utile? J'en ai aucune idée, c'est vraiment une péridicule que j'ai signée. Les marchands... Ah, mince! Du coup, c'est beaucoup moins intéressant. Bon, il y a quand même septembre qui va arriver dans pas longtemps. Du coup, je prendrai bien un clic sur celui-là. Et je vais prendre les 290. Et en septembre, normalement, la situation va s'améliorer. Du coup, j'ai 300 ducats à dépenser. Ah, ça avance petit à petit. Hein. On va pas se moquer de la puissance Killua. Enfin, si l'ordinateur possédait ce que je possède, il aurait environ 40 000 hommes. Minimum, hein. Et 40 000 hommes opérationnels, tout et tout. Ok, ça c'est bien, c'est fait. Ah! Non, j'ai eu peur sur autre chose. Du coup, je pense qu'il y a des nouveaux états qu'on pourrait se créer ici. J'ai le droit de créer combien d'états? 5. Et ben, je pense que j'ai créé mes 5 états. Celui-là, ça fait 18-21. 12-18-21. 12 plus celui-là, c'est le plus gros. Bon, en fait, je vais créer les 3 états, je pense. Je les ai mis qu'à 80%. Bon, du coup, je vais vous trouver des petits terrains pour mes copains les Oulémas. J'ai l'habitude avec vous. C'est quand même un 9, ça. Ça, c'est un 4. Oh, mais c'est une ressource qui est plutôt sympa. Ça, c'est pourri. Il faudrait plutôt un 5. Un 5 sur une ressource un peu pourrie. Non, un 5, pas un 13. Ah ouais, là par contre, j'ai un bon domaine des esclaves.
Ah, 5 du poisson pour les oulémas, c'est parfait ça. 9, 9. Ok, bon, je vais leur donner 2, 3. Le 4 et le 3 ici. Voilà, les oulémas, c'est géré. Et les émirs, bah du coup, les émirs, est-ce que ça leur suffirait de prendre celui-là? Ça leur suffit. Toujours rien d'intéressant à prendre, toujours rien d'intéressant à prendre. Du coup, toi, t'es quoi comme navire? T'es une barque. Bah, tu vas aller protéger Zanzibar. À mon avis, est-ce qu'il y a des révoltés? Des révoltés dans le coin? Oui, il y a ces deux-là qui vont se révolter un tout petit peu, mais si on les calme, ça va se régler. Marav, Ngond et Tanga, ouais, toujours les habituels relous. Désactivez-moi la flotte. On va transférer les troupes ici sur le front principal parce qu'elles ne servent à rien. Ah, nouvel objectif réussi. Et ça, une efficacité commerciale et plus de mercantilisme, c'est la classe. Après, avoir des alliés, moi je veux bien, mais pour l'instant, dans le coin, match solo, ils sont à combien? 150, ouais, ça va, ouais, c'est acceptable. Revenez à Antioche. Rejoignez le front. Enfin, le front, c'est vite dit, hein, parce que... Je vois pas ce que je peux... Ah, le maître espion est mort, il m'en faut un nouveau. L'efficacité du commerce, voilà, toi tu vas rapporter. Évidemment, j'essaie de gérer pour jamais pour avoir le moins de problèmes possible, mais il y a toujours moyen pour qu'ils mettent un event qui me fout dans la merde. Alors actuellement, ils ont combien de charges? Ils ont 53% de charge. Et est-ce qu'ils ont un truc qui finit bientôt? Ils en ont un qui finit dans 5 ans. 5 ans, ça fait 12 mois. Ça fait quand même 5, ça fait 60. Donc il faudrait que mes points chutent. Bon, quoi qu'il arrive, je veux le choix 1, donc je vais laisser tourner. Les oulémas. Je vais cliquer ici. Et là, je vais rien faire. Bon, on est parti pour s'endetter un tout petit peu. Ah, on a fini l'exploration. Attendez, du coup, ils sont où mes navires? Je suis censé avoir 3 navires quelque part. Là, ils n'ont pas coulé en chemin, donc dites pas où ils sont. Ils sont là-haut. Explorer, il n'y a plus rien. Revenez ici. Vous, félicitations, vous avez gagné un explorateur. Donc je dis quoi qu'il arrive, de toute façon on va s'endetter. On va être obligé de cumuler quelques dettes. Du coup, bah, au moins ça me fait éviter une dette. C'est pas la dette de la, c'est pas le mouvement de l'année, mais ça me fait éviter quelque chose. Voir son Gali, ils ont l'air d'avoir des soucis. Toi, t'es en guerre contre la Nubie. Et la Nubie, t'es en guerre contre qui? Makuri. La tradition navale. Ok, on a fini le dernier bâtiment à 6. Ils sont 8, ils sont 9. Oh là 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 là, mais ils sont plus forts que moi en militaire, hein. Et il a chopé la Renaissance. Est-ce que nous, on a un petit espoir que le colonialisme arrive? Non, parce que il me faudrait une colonie pour ça. Là, le pire, c'est que ma flotte, si jamais il y a une nation européenne qui vient faire la guerre,
C'est pas elle qui fera la différence. Est-ce que je peux faire des revendications sur toi? Non. Donc le Randa, il commence à m'énerver un tout petit peu. Et le, par contre, le Yaka, ils ont l'air de... Je sens qu'ils vont m'énerver beaucoup eux aussi. L'Ottoman, le mariage royal. Voilà, ça y est. On est là. On est présent, frère. Bien sûr qu'on se kiffe, hein. Ottoman family, quoi. Bon, maintenant, du fait de la possession de l'Ottoman family, je suis beaucoup moins inquiet de l'arrivée des Européens. Et je vais surveiller un tout petit peu. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est comment le Yémen fait pour avoir 30 000 hommes. 26 000. Ok, tac tac, je sais pas ce que tu fais. Le faire revenir, t'as bossé à fond. Ça reste quand même du 10 points, c'est pas très équilibré. On a 20 de pognon. J'ai une dette à rembourser ou deux. Mes finances m'annoncent un total d'une dette, ça ira. Et ben, on va dire qu'on a plus de dette. Voilà, il suffit de négocier. Donc le Warsongali, franchement, je pense qu'ils affrontent... ils ont du mal à affronter quelqu'un. Je suis une grande puissance. Eh les mecs, I am a big puissance. Un jour, je la saurai, je le promets. Est-ce que je peux avoir la portée coloniale là-bas? Ça fait 50. Non, même avec 50, je l'aurais pas. Par contre, je peux peut-être faire des étapes. Je peux faire une étape à Olaway. Bon, messieurs. Nouveau plan. On va regarder ensuite. Est-ce que je pourrais passer sur une nouvelle colonie ailleurs? Marave. C'est qui les Maraves qui vont se rebeller? Ils sont à 1% et à 1% ils arrivent à se rebeller. Oh les mecs, faites des efforts quoi, les mecs ils sont à 1%. Bah si je fais ça, au moins ils se rebellent plus. Allez, rebellez-vous plus. Merci. Du coup, ils vont plus s'exciter. Il n'y a plus que Ndong qui va continuer de monter un tout petit peu. Et encore, c'est pas sûr. Je vais arrêter de prendre les sciences. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur ça. La tolérance avec la nouvelle foi, ça va encore réduire. Normalement, là, j'ai un pays stable. Mais d'une stabilité incroyable. En fait, il est quelle heure? Masse, mon téléphone, je l'ai pas avec moi. C'est 11h50. Okay. Eux, au final, ils sont en train de gagner ou perdre? Non, ils sont en train de perdre. Donc au moins, d'un côté, s'ils gagnent, ça peut faire une renaissance de l'Éthiopie. Si l'Éthiopie renaît, elle peut relancer globalement le conflit dans le coin. Et en relançant globalement le conflit dans le coin, j'ai une chance. Mais le Yémen, avec son niveau 9 en armée, me fait peur, quoi. Comment est-ce qu'il fait? Mais moi, j'ai... Je suis sûr que j'ai mis beaucoup plus de moyens que lui pour m'en sortir. Et malgré tout, je suis derrière, ça m'énerve. Bon, on perd pas la stabilité, ça sert à rien. Par contre, du coup, les émirs qui sont à 56.
Ah ouais, putain, pourquoi j'ai du rouge ici serré? Alors. J'ai eux qui sont pas contents et qui vont péter en 21. Non, en 24. Ça me laisse pas beaucoup de temps. Le 22 août. Le juin. Ah! Ça s'est joué un mois près. J'ai le droit de faire venir combien d'états? Je peux faire deux états de plus. Ça me fait 11. Ça me fait 12. Je suis pas encore dessus. Ça fait beaucoup plus. Bravo. Ça a pas suffi. Aïe 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 aïe. Par contre, les émirs, il va falloir que je m'occupe d'eux encore une fois. Il y a beaucoup d'esclaves là. Des vaches, les émirs. Je suis sûr que ça va être parfait pour vous, ça. Du coup, il me reste la mode secrète de créer cet état-là. Colonie, Léo Plateau, step, step, step. Est-ce que les steps, ça vaut le coup de se développer, ça? Ouais, il y a 20%. Bon, allez, on va le créer. Zulemas qui veut un tout petit peu plus, 88. Toujours ça. Donc voilà, je pense que c'est l'endroit idéal pour donner territoire aux Zulemas. Bon, du coup, va falloir que j'enlève une province aux marchands. Les marchands, ils sont ici. Ils sont pas encore à Mombasa. Et ils sont à Zanzibar. Je pense que je vais les enlever de Zanzibar. Sauf que si je les vire de Zanzibar, ils vont pas être contents. Mais je préfère qu'ils soient pas contents plutôt que qu'ils soient pas du tout, du tout. Enfin, qu'ils soient trop contents même plutôt. Ok. Merci d'avoir suivi. Ciao, ciao.